J'ai fait mes études secondaires. Après ça, moi, je tombais à trouver un emploi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'emplois dans la Beauce. Il y avait des bûcherons, évidemment, là, mais il n'y avait pas beaucoup d'industrie, il n'y avait pas beaucoup d'emplois pour nous. Je suis venu à Québec et à ce moment-là, je devais, comme premier emploi, travailler dans un magasin. Le magasin fermé. Alors, je me suis ramassé avec l'aide d'amis à Québec dans un mouvement naissant, mais qui n'avait pas beaucoup de force. Il faut se rappeler que la loi fédérale des allocations familiales date de cette période-là. Et la loi fédérale avait oublié une particularité du Québec, c'était nos crèches et nos orphelinats. De telle façon que l'allocation familiale était donnée aux parents. Mais les enfants des crèches et des orphelinats n'avaient pas de parents. Alors là, Maurice Duplessis, le cardinal Villeneuve, avec les communautés, avait trafiqué une affaire par laquelle le gouvernement faisait passer le bien-être aux institutions par un organisme qui émanait de l'Association des hôpitaux. Mais pour fonctionner, parce que la loi des allocations familiales, il fallait que ce soit pour des biens spécifiques, bien-être, les équipements d'espoir ou des trucs comme ça. Alors, les communautés avaient le droit d'acheter des tutus de ballerines, des souliers de ballerines, des gilets de hockey, des patins, des skis aux petits gars. Mais ils n'avaient pas le droit d'acheter le bien-être, le meuble. Bon. Alors, ce qui fait que on administrait ça, on s'assurait que c'était pour le mieux-être des enfants. J'ai travaillé là au Wicom Commis pendant 3 ans, jusqu'au moment où il y a eu un différend entre les composantes et que Duplessis a transféré le bien-être au service social du diocèse. L'institution disparaissait. Le local où on travaillait, c'était un local mixte. Les comités paritaires étaient là, le centre des patrons. Les patrons de Québec étaient là. Je m'étais intéressé dans ce temps-là à la JOC. Beaucoup à la JOC. J'avais même fondé un petit groupement qui s'appelait l'Université ouvrière, où les étudiants de l'Université Laval venaient donner des cours, échanger avec les jeunes travailleurs. Et ça m'avait amené à connaître du monde, les professeurs, les étudiants de l'Université Laval dans le temps, dont Marcel Pepin. Et au comité paritaire, qui était dans le même local, dans les mêmes lieux, j'avais connu l'inspecteur Jacques Dion, qui était inspecteur du comité paritaire de la métallurgie de la région de Québec. Sur le coup, la Fédération de la métallurgie qui avait pénétré la grande industrie, avait besoin d'un recruteur pour recruter les employés, comme point de départ, les employés du petit chantier, c'est-à-dire George T. Davy, qui était un chantier voisin de Davy Ship, qui lui était déjà organisé en syndicat. Alors, j'ai commencé à organiser là, avec des organisateurs du Conseil central de Québec. Et on avait un problème parce que dans les chantiers maritimes, la main-d'œuvre fluctue beaucoup. Alors, à mesure qu'on montait les effectifs d'accréditation, la compagnie rajoutait du monde. Et donc, on avait de la difficulté à atteindre notre majorité jusqu'au jour où on a décidé de donner une pièce par carte qui nous sera amenée aux recruteurs. Alors, dans l'espace de peu de temps, une bonne journée, il nous a apporté 42 cartes. Alors, ça nous donnait le nombre suffisant pour demander notre accréditation syndicale. Ça avait été donc l'œuvre d'un militant de base, d'un travailleur de base, qui a décidé qu'il complétait l'organisation à sa manière. 42 cartes. En 48, 49, 50, 51, il y avait dans la région de Québec, là, de l'est de la province, il y avait une quarantaine d'unités d'accréditation. C'était la CTCC. Et la métallurgie se développait beaucoup. C'était après la grève de l'amiante. Il y avait un mouvement vers la grande entreprise, vers aussi la syndicalisation. Alors, on a organisé les usines de Prévost de Sainte-Claire, par exemple, maintenant, Volvo, les autobus.
Il y avait Montmagny, Lillette, les Poêles, Poêles, Lillette, Poêles, Bélanger. Il y avait les fonderies, Plessisville, Forano, Victoriaville, Vic Metal, Drummondville, Volcano. Tu sais, il y avait toute une série d'entreprises de la moyenne industrie. Alors, j'ai été appelé à m'introduire là-dedans pour devenir négociateur. Je peux vous dire une chose. Je m'étais rendu compte à l'examen que pour les travailleurs, c'était pas de se faire aimer par eux. C'était de leur dire la vérité. C'est-à-dire d'être franc. Et pour les employeurs, j'appliquais la même chose. Alors, ce que je disais aux employeurs, je le disais aux employés. Ce que je disais aux employés, je le disais aux employeurs. J'avais juste un discours. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à me bâtir une crédibilité. D'autre part, je vous dirais, j'avais un front de bœuf. Et aussi, je dois dire, j'étais fouilleux. C'est-à-dire que je préparais mes dossiers. Au début, on invoquait le coût de la vie, puis c'était ça qui déterminait. Mais moi, je m'étais mis en relation avec Léo Robac, qui avait son bureau de recherche, là, et qui m'a fait beaucoup d'aide, qui m'a donné beaucoup d'aide, parce que lui analysait les rendements des compagnies, la capacité de payer, etc. Puis ça, je m'étais débrouillé assez vite là-dedans. Alors, j'impressionnais des employeurs des fois, même sur leur propre situation. Il y avait son bureau qui s'appelait Research Associates, avant d'être professeur, et qui faisait de la recherche, lui, avec sa sœur, Léa. Et c'est bien que c'est sur le tas que j'ai appris. Il y avait Adrien Plourde, qui était le président du syndicat d'Arvida et de ce qu'on appelait la branche aluminium, qui lui était bon, le charismatique et le leader. Et le penseur, le négociateur en chef, c'était Marcel Pépin. Oui. Et là, et aussi, ben, avec le temps, j'ai eu à déborder. J'ai négocié aussi à l'ALCAN et dans ses filiales, les chemins de fer, le port de mer. En 1956, c'est une de mes grandes expériences, négocier des débardeurs. À Port Alfred, c'était le port de la compagnie, ALCAN, alors qui contractait aussi les expéditions pour les moulins à papier. Alors, c'était une main-d'œuvre locale. C'était une classe de gars qui avait une solidarité toute particulière. Il y a eu la période de 60 à 64, pendant laquelle la priorité de la CSN, ça a été l'organisation du secteur public. Donc, le secteur des fonctionnaires provinciaux ou des plus voisins, de toute la partie, et même de la pénétration dans les hôpitaux, là, et dans les services. Alors, en 64, après le vote des fonctionnaires, Jean Marchand m'avait demandé de prendre la direction de la structuration et de l'organisation de la négociation du syndicat des fonctionnaires provinciaux. Parce qu'on avait gagné le vote, mais ça avait été un vote à large, hein? Donc il n'y avait pas de structure syndicale ou très peu. Et là, j'ai dû structurer le syndicat, structurer le projet de convention collective. Et le gouvernement avait formé, après le vote, un comité pour établir les bases de la négociation. Parce qu'on partait la reine ne négocie pas avec ses sujets, là. La commission de la fonction publique voulait garder toute la section gestion du personnel. Alors, il ne nous restait pas grand-chose à négocier. Alors là, on a bâti et on avait réussi à obtenir
en tout cas, un régime syndical qui est encore là d'ailleurs, qui est là, qui se tient. Le gouvernement, à ce moment-là, quand il a appris que le vote était à près de 80 % a perdu pour 24 heures, a perdu la boule. Et il a fait ce qu'on ne s'est jamais vu dans la pratique ouvrière. Et il a pris ces gens de la direction générale devant nous, en pleine table de négociation. Et il a pris les gens de la direction générale qui étaient là, qui venaient pour négocier. Bon, il y était une quinzaine de personnes. Les a relevés comme on fait le changement de garde. Et les a fait retirer de la salle devant nous. Et il a nommé un avocat, Maître Yves Pratt, pour négocier la convention. Et c'est pendant ce temps-là que Yves Pratt, le représentant direct du premier ministre, en oubliant toutes les autres structures gouvernementales, s'est assis et c'est là qu'on a négocié les cadres de la convention collective. Ça a été de la négociation jour et nuit et au bulldozer, de part et d'autre. Et là, ben, il y a la première convention des fonctionnaires. Les fonctionnaires commencent à douter de leur appartenance, de leur affiliation à la CSN. Commence à leur mettre en cause. Ils trouvaient qu'ils payaient beaucoup, beaucoup de cotisations et ils se considéraient aussi. Il y avait des. L'intégration ne s'était pas faite totalement, là. Et il y avait le président du temps qui avait été un des piliers de l'organisation, Raymond Fortin, qui prenait sa retraite. Il y a eu de nouveaux dirigeants. Puis le secteur, même le secteur. Privé de la CSN, trouvait que c'était un gros morceau à avaler. La difficulté existait de digérer l'organisation des fonctionnaires. Parce que pour l'organiser, les fonctionnaires, ça a pris 5 ans. Les dépenses facturables, c'est au-delà d'un million. Les fonctionnaires provinciaux, ils ont oublié ce que ça avait coûté de les organiser, puis ils se sont séparés eux autres. Ça, c'est sous l'équipe Brûleux. Dans le fond, il y avait deux courants aussi. Il y a un courant affairiste, où on gère les conventions collectives, puis il y avait un courant progressiste de combat. On se retrouve dans les années 70. Donc, on va consulter les gens. Mais l'exécutif de l'époque a recommandé cette fois-ci de la désaffiliation. Et la désaffiliation a eu gain de cause, cependant, un vote excessivement serré, environ 51-49. Robert Sauvé démissionne comme secrétaire général de la CSN. Je décide que je me présente. Et je suis élu. C'était très effervescent au Québec, mais c'était même international à ce moment-là. Et on était membre de la Confédération mondiale du travail. Marcel en a été le président d'ailleurs un petit peu après. Là. Mais on siégeait tous les deux sur le conseil d'administration de la Confédération mondiale. Alors, on voyait ce qui se passait là aussi, dans les autres pays, comment ça bougeait ailleurs aussi. Tout était en cause à ce moment-là. Même l'Église est en cause. Les gouvernements étaient en cause. Le Parti québécois était en gestation à ce moment-là. Tu sais, il n'y avait plus de vérité déclarée, là. On faisait comme les Beaucerons. On faisait de la Terre-Neuve. On bûchait sans savoir trop où on allait. À ce moment-là, j'avais, moi, toute l'interne de la CSN. C'était un problème, même quand on parle, je suis fatigué. Quasiment la tour de la mer. Alors, il fallait naviguer à travers ça. La CSN avait une structure interne assez forte. C'est-à-dire qu'on avait des gars comme Pierre Vautboncoeur, des gars comme Richard Daigneault, des gars comme André Lheureux et d'autres, j'en oublie, qui étaient forts. Il y avait aussi Marcel. Marcel, c'est Marcel qui a tenu le front commun. C'est pas avec les structures, mais Marcel était. C'est Marcel qui l'avait initié comme rapport du président, ce manifeste-là. Il n'y a plus d'avenir dans le système actuel. Alors, Marcel, il voulait vraiment aller de l'avant.
l'affaire des 3D, ça a été un coup de force. Mais ça peut être un coup de force d'un jour. C'est les industries. C'est l'ancienne CTCC de 1940, parce que c'était ça, là, la réalité. Dans le temps, c'était ces boutiques-là. Que... Et puis, alors c'était plus que... C'était vraiment un mouvement gauche, droite, mais pas gauche, là. Ça a joué ça aussi, là. Mais, non, c'était une désaffection. C'était contre le deuxième front. C'était contre que le Front commun défie le gouvernement. Ça, là, c'est ça qui les a amenés à dériver. À un moment donné, ça passait pas. J'ai écrit un manifeste sur l'état de la situation. J'ai embrasé le débat. Au lieu de l'atténuer puis de permettre de le relativer, m'était permis d'être parti puis de juger la situation. Ça avait cristallisé, disons, d'être dans leur position, puis ça avait cristallisé tout le monde. Et ça, ça n'a pas été mon plus beau geste syndical. Dalpé, le vice-président exécutif, qui est un poste qui avait été préparé pour Plourde et ça n'avait pas fonctionné avant. Alors Dalpé avait cette fonction-là, celle du premier remplaçant de Marcel Pepin en cas d'absence ou de maladie. Dalpé était très critique à l'égard de Marcel d'abord. Mais à l'égard même du mouvement syndical, il avait une pensée assez particulière. Il avait mauvaise réputation dans le monde syndical. Il avait eu des chicanes avec Louis Laberge, par exemple, parce qu'il avait travaillé à Canadair, lui aussi. C'est caricatural, mais moi, je considérais Dalpé comme un homme qui n'avait qu'un but, être président de quelque chose. Pas de servir, d'être président de quelque chose. C'était une autre ligne de pensée. Daigle était un ancien de la JOC, un bon gars, puis qui a fait beaucoup de travail dans la JOC, la LOC. Puis c'était un bon organisateur aussi, c'est lui qui avait été en charge de l'organisation des fonctionnaires. Mais il était disparu le jour du vote, parce qu'il y avait l'organisation toute de la CSN. Et Daigle était très, très prêt. Dion était un gars qui, avant d'être militant dans une usine à Québec, chez FX Drolette, qui construisait des bonnes fontaines, du chiot, tout le monde, était toujours dans les finances syndicales. Il avait été d'ailleurs vérificateur de la CSN pour vérifier si les syndicats payaient leur dû, puis ils payaient tout leur dû, etc. Alors, il y avait une culture syndicale particulière. C'est un très bon gars, puis c'est un militant assez correct, mais tu sais, il était très près des libéraux. Un disciple de Marchand, du côté de votre l'éventail. C'est pas le même vent. Le groupe dissident, même le jour du Conseil confédéral, il croyait qu'il prenait le contrôle. Que ça avait commencé, ça, par le bureau confédéral. Et Dalpé avait mis fin à l'Assemblée sur une résolution de blâme qui les blâmait, les 3D. Un des gars de l'équipe de Michel, le gars de Sorel, était venu au micro pour présenter une résolution de blâme aux 3D. Michel s'est levé tout de suite après pour aller prendre le micro. Il y a un groupe de Montmagny, un syndicat de Montmagny, qui s'était fait accompagner dans sa délégation par un boxeur professionnel d'un gars de Montmagny, un homme boulé. Et dès que Michel s'est levé pour aller au micro, le boxeur était venu et il avait mis knock-out. Il avait knock-outé Michel. Alors là, Dalpé avait mis fin à l'Assemblée. Et c'est de même que les deux partis étaient partis. Puis le réconciliable est arrivé. La CSD, qui n'était pas encore la CSD, s'est en allée à Jésus-Ouvrier. Les autres
travaillé dans un hôtel de Québec. Et c'est là que les 3D ont pris la décision de scission complète, non pas de prise de pouvoir, mais de scission complète, et de former la CSD. Mais ça a pris du temps. Hein. Puis il y avait eu de la médiation là-dedans. Francine Lalonde avait été intervenue là, comme médiatrice entre les deux groupes. L'ensemble des permanents ont joué un rôle aussi là-dedans. Parce qu'il y a des permanents qui se sont. Ben, il y en a 50% qui, dans la scission, ont changé de poste. Ils sont allés à la CSD. D'ailleurs, la CSD a eu un problème financier avec ça. Il y avait trop de monde qui avait trop de monde qui travaillait qui en avait besoin. Je me sens impuissant, tout à coup. Parce que c'est pas moi qui avais le pouvoir de convoquer les assemblées. Leur bureau d'avocat avait déjà des injonctions préparées si je faisais des gestes, qui étaient en dehors de mon mandat. Parce que Marcel était en prison, lui, là. C'est le vice-président qui prend la place. Une guerre directe, sur le plan légal, on se faisait bloquer. Alors, une guerre politique, sur l'autre plan, on pouvait la gagner. Alors, comme on était membre de la Confédération mondiale du travail, et que j'avais de bonnes relations. Il me connaissait, j'étais sur le conseil d'administration. J'ai téléphoné au secrétaire général, puis je lui ai dit, c'est Jean Bruck, je lui ai dit, Jean, viens m'aider. Et lui est arrivé ici, et toute la partie de relations avec le gouvernement, avec le public, avec les structures, il s'est placé au-dessus de ça, il s'est placé à un niveau international. Et ça, les autres n'avaient pas le moyen. Puis ils n'ont pas pensé non plus. Alors, lui a fait la job de relations publiques, d'interprétation qu'aurait fait Marcel Pépin de la situation, là. Et puis moi, je me suis occupé de l'interne. On a décidé d'un moyen, c'est de communiquer avec chacun de nos syndicats de base et de leur demander de réitérer leur vote de confiance par télégramme, c'est très rapidement. Et là, on a eu, dans l'espace de 24 heures, on a eu la fidélité au-delà de 60% là, à la première journée. Et puis là, c'est là que Marcel et les trois, ils ont eu leur libération, ils sont sortis de prison. Et là, Marcel a repris à la CSN même. Il était devenu libre, il avait ses droits. Il avait ses droits de citoyen, mais il avait ses droits syndicaux comme président aussi. Alors, je me rappellerai toujours, il était sorti un soir et on était en groupe. La première chose qu'il m'avait dit, viens Raymond, on a des choses à faire. Le lendemain, il avait fait conférence de presse pour dire qu'il excluait les 3D. Exécutif, 3 sur 5, ça a été 50% des permanents. Ça a été à peu près 40-45% des structures, des conseils centraux, fédérations. Là. Ça a été 30% des officiers, l'ensemble des officiers locaux, etc. C'était 20% des rangs.